Je me nomme Madjouma Koulibaly, je viens du Mali. J'ai 25 ans, je suis en France depuis 2014. Je suis avec l'association Petite Déesse des Flandres qui sert des jeunes à l'immigration. Ils sont là, ils ont mis en place pour distribuer le petit déjeuner aux gens qui sont dans les difficultés, qu'on n'a pas l'endroit pour dormir ou qui sont dans la tente. Je les aide parce que je vois qu'il y a des gens là-bas qui sont dans la difficulté, qui sont en immigration, qui viennent d'arriver. Moi, personnellement, ça donne les connaissances entre les gens, ouais. Entre nous et nous-mêmes, les bénévoles qui sont là. On travaille en collectif, quoi. Un jour, on peut voir 4 personnes, 5, 6, 7, comme ça, ça qui se mettent à un poste quoi, pour faire servir le thé ou couper du pain ou tartiner. Et ben Madjouma, ça fait depuis 3 mois environ que je... Quand on s'est croisé, oui, moi j'ai commencé depuis le mois d'octobre, ça va 6 mois maintenant, 7 mois. C'est quelqu'un qui est disponible, attentif. J'ai remarqué quelque chose qui m'avait frappé, le premier service de petit déjeuner que j'ai fait avec Madjouma. C'était au moment de l'installation, il y avait quelque chose où on n'était pas très nombreux. La mise en place, la répartition, il y avait quelque chose où moi je l'avais appris en fait à son contact sur comment faire les choses collectivement en fait, et puis essayer de faire les choses aussi de mon côté de façon assez coordonnée. Quand j'étais au Kadam, il y avait une animation qui s'appelle Léa, c'est elle-même que je l'ai proposée. J'ai dit que moi j'aime faire le bénévolat. Elle m'a dit ça tombe bien, il y a des associations qui travaillent avec elle, qui aident à s'engager. J'ai dit ça, oui ça marche, j'aimerais faire. Elle m'a fait le contact avec elle, un jour j'ai croisé, voilà. On a discuté après, Lisa m'a donné le rendez-vous, elle m'a proposé les choses, j'ai dit que j'étais intéressé à faire ça, petit déjeuner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde là-bas qui sont dans la difficulté. J'aimerais faire ça pour aider. Moi, je l'encourage parce que c'est une bonne chose de faire. Ça te apporte beaucoup de choses, ça te donne connaissance entre vous et voilà, vous-même, les bénévoles. Puis ça fait la connaissance entre les gens aussi qui viennent pour servir. C'est un truc de bien. Ça m'a aidé un peu de mettre moins timide aussi. Parce qu'avant de m'engager, j'étais très timide. Ouais, actuellement, c'est peut-être que c'est diminué un peu. Grâce à les gens, parce que tous les jours, j'ai croisé plein de gens différemment.